Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 31e épisode de The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D Master Quest. Un épisode que je dois recommencer parce que je l'ai prévenu. Mais l'épisode que j'avais fait avant, j'ai foiré au niveau de la capture, j'ai pas enregistré le son, ce qui est con. Résultat, je me suis retrouvé à recommencer et heureusement, j'avais gardé le double de ma sauvegarde, on va dire. Heureusement que j'avais gardé. Donc, du coup, aussi un petit détail, c'est que normalement, on devait avoir une cinématique, vu qu'avec Lady, on avait fini le temple de l'esprit, on devait se diriger vers le temple du temps, il devait y avoir une cinématique. Sauf que là, j'ai passé la cinématique, en fait, pour me remettre en Link enfant, mais je me suis débrouillé pour que, en fait... Quand on reprendra la quête principale, il y aura la cinématique, vous inquiétez pas. Il y aura la cinématique. On va se démerder, hein, vous inquiétez pas pour ça. Donc, du coup, on se retrouve pour de l'annexe. Et on va continuer les Scutula. On va continuer la recherche des Scutula. Et récupérer un petit quart de cœur supplémentaire. Donc, les Scutula qu'on va aller chercher, ça va être au lac Ilia. Il y a quelques Scutula à récupérer. Pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas le symbole des Scutula, comme j'avais expliqué dans l'épisode annexe précédente, que lorsqu'on récupère tous les Scutula d'une zone, en fait, vous avez le symbole du Scutula qui apparaît juste au niveau du nom du lieu. Comme vous voyez, en bas à gauche, vous avez le symbole du Scutula qui apparaît, et que c'est pas le cas pour le lac Ilia, c'est pas le cas pour la vallée Gerudo, plus d'autres régions. Mais on aura le temps de faire. Bref, on va se diriger au lac Ilia. Donc pour ce faire, on va faire le chant habituel. Alors on va commencer par Link Enfant. Parce qu'il faudra y retourner deux fois au lac Ilia. Une fois en Link Enfant, une fois en Link Adulte. Pour récupérer la totalité des Scutula de la zone du lac Ilia. Donc, j'espère que vous allez bien au passage. Je sais même pas si je vous l'ai demandé, mais bon. Donc, on se retrouve au lac Ilia. Alors, pour commencer, on va se mettre de nuit. Parce que la plupart des Scutula, c'est de nuit qu'ils apparaissent. Ça, de toute façon, vous le savez maintenant. D'ailleurs, quand on recherche des Scutula, peu importe quel Scutula, même ceux qui apparaissent de jour et de nuit, il vaut mieux se mettre de nuit, comme ça on a la totalité des Scutula. Alors, déjà d'emblée, je sais que normalement, bon là c'est Nevy qui nous dit d'aller au château, hein. Mais bon, on va pas y aller. Hein. Donc, je sais qu'en Link adulte, il y a un Scutula en haut. Mais est-ce qu'il est présent en Link enfant? Ah bah de toute façon on peut pas. Parce qu'il faut le grappin. C'est vrai. Donc, on va aller en fait, là on avait décoché les flèches normales au lever du jour. Pour faire apparaître les flèches de lumière, enfin pas les flèches de lumière, les flèches de feu. Et il y a un Scutula juste ici. Ah forcément maintenant l'emplacement des Scutula je connais par cœur plus ou moins parce que c'est un épisode que je refais. Logique. Donc du coup, ici, au cas où on manque de cœur, si vous faites le chant du soleil, et pas le chant des tempêtes, pour une fois. Et bien vous faites apparaître en fait une petite fée, enfin une... plus une luciole qu'une fée. Voilà. Et qui nous redonne tout en fait. C'est même pas que les cœurs, ça nous redonne aussi la totalité du mana, et ça c'est cool. Je sais même pas si sur la 64 il y avait ça. Je crois me rappeler qu'il y avait ça sur la 64. Cette luciole. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est pas fini, ça ne fait que commencer.
Maintenant, on va se diriger à côté de la cabane. Enfin, la cabane du scientifique, là, qui fait ses recherches et que... On a aussi une scutula récupérée au fond de l'eau, de la piscine, mais ça, faut une fois de plus être en ligne qu'adulte, donc ça se sera fait dans un second temps. Ah, aussi un petit détail. Sous cette tombe, il y a une grotte. Mais pour tirer la grotte, il faut... Enfin, sous cette tombe, il y a une grotte. Pour tirer la tombe, et pas la grotte, il faut avoir de la force. Donc il faut être en ligne qu'adulte. Et non, là non plus, ça marche pas. D'ailleurs, il y a le hibou qui nous gêne. Enfin, qui nous gênerait. Alors de là, on va se mettre... Ah ouais. Il y a une petite scutula. Juste là. Ici. Et on la voit pas. Parce qu'on est en jour. Et là... Oh, magie! Elle apparaît. Alors du coup, celle-là par contre... On peut l'avoir sans problème. Voilà pour ça. Alors ensuite, il y a une petite terre meuble juste là. On n'a pas planté le haricot d'ailleurs. Tiens d'ailleurs, on va faire un test. On peut planter le haricot si on veut. Le haricot est planté. On pourrait se dire, ouais, maintenant, comment on va faire pour récupérer le scutula? Mais il n'y a pas de problème. Les insectes, même s'il y a une plante, ils vont rentrer. Donc il n'y a pas de problème. Alors l'astuce habituelle pour les insectes. Vous assignez deux bouteilles sur deux touches différentes. Le clonage des insectes. Ça, c'est cool. C'est une technique qui existait déjà sur la 64, ça. Clonage des insectes. Et voilà, du coup, au lieu d'avoir un insecte dans une... Au lieu d'avoir trois insectes dans une bouteille, on a trois insectes dans deux bouteilles. Ce qui fait six insectes en tout. Voilà. Donc, du coup, le haricot est planté, mais pas de problème. Il n'y a aucun souci. Et voilà. Une scutula d'or. Alors, je rappelle au passage quand même, ce soir, à 21h, il y a la suite de Cadence of Hyrule sur ma chaîne Twitch. On va continuer. Alors, du coup... oui, ben de toute façon, ça, il n'y a pas de problème. Enfin, si. Parce qu'à la rigueur, pour accéder en hauteur, ici, normalement, il faut le haricot. Mais, je ne sais pas si c'était valable sur la 64, mais sur la 3DS, vous avez Pierre, l'épouvantail, qui apparaît juste au-dessus, ici. Et qui nous permet d'accéder directement. Donc, à la rigueur, si on n'avait pas acheté les haricots, aucun problème, on aurait pu atteindre l'échelle. Et au-dessus de l'échelle, tout en haut, il y a un quart de cœur. On ira le récup. Mais avant toute chose, parce que pour l'instant, on est en ligne qu'enfant, donc on peut pas grand-chose de ce côté-là. Alors... Ah, petit trou de mémoire. Est-ce qu'on a encore discuté la récupérer ou la qu'il y a en ligne qu'enfant? On va vérifier ça tout de suite, de toute façon. Y a pas de problème. Le chant du soleil accéléré. Hein. On fait ça vite. On n'a pas de temps à perdre. Ah, du coup, faisons bien le tour. Mais normalement, il me semble que j'ai récupéré tous les scutulas que j'avais à récup en Link enfant. Parce que j'avais celui au niveau de là où on récupère les flèches de feu. J'en avais un sur le mur.
là ici, et j'en avais un dans la terre meuble. Donc en fait, c'est bon. A priori, c'est bon. Donc, du coup, on va se diriger tout de suite. Enfin, on va faire une petite ellipse pour aller plus vite quand même. Parce que même si j'ai les champs pour aller là où il faut tout de suite, on va quand même faire une petite ellipse parce qu'après on va récupérer les scutulas qui me manquent dans la grotte d'Odongo. Parce qu'on va faire un donjon supplémentaire pour récupérer la suite des scutulas. Alors à tout de suite. Alors du coup, maintenant, comme j'avais dit. Ouh. Petit arrêt, 2 secondes, pour observer le ciel. Ah, oh, il est magnifique. Le soleil qui se lève. C'est beau. Voilà. C'est beau. Alors, du coup, il y a une scutula en haut de l'arbre. Et pour y accéder, en fait, on ne peut pas s'accrocher directement au-dessus. On ne peut pas s'accrocher sur les branches. Enfin, on ne peut pas monter sur les branches. On est obligé de mettre le grappin dans une position précise, de façon à ce que Link soit au-dessus et se laisse tomber sur la branche. Et voilà. Comme ça, il se laisse tomber sur la branche. Alors, vous allez me dire, oh shit, pas de Scutula. Mais bon, on connaît la chanson. C'est de nuit qu'il y en a. Et voilà. J'adore comment ils apparaissent d'ailleurs, hein. Comment elles apparaissent. Elles apparaissent en grandissant, on dirait un peu là, hein. C'est marrant. Donc, du coup, voilà pour ça. Ensuite, le quart du cœur. Ah oui, il y a la grotte avant. C'est pas que ce soit utile, mais on va la faire quand même. Alors, oh, quelques pestes bonjour. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir. Le bouclier miroir ne renvoie pas les noix mojo. Enfin, les noix mojo se cassent sur le bouclier. Donc, ça, la première fois, je me dis, mince, il y a un problème. Je comprends pas. Le bouclier est censé renvoyer. Non, mais pas le bouclier miroir. Le bouclier Hylien et le bouclier mojo, oui. Alors lui, qu'est-ce qu'il vend? J'abandonne, veux-tu des bombes, 5 unités, 40 rubis. Oui. T'as pas de place, on vient plus tard. Là, je vais refaire la voix que je faisais avant, en fait. Hein. C'est bon, laisse-moi tranquille. Et je te vends des flèches. 30 unités, 70 rubis. Ça marche. Merci bien, je rentre dans ma grotte. Je me rends, c'est bon, en échange, je veux bien te vendre des noix mojo, 5 unités, 20 rubis, c'est le prix. T'as pas de place pour ça, reviens plus tard. Pas de problème. Bon. Alors, maintenant que ça c'est fait, on voit que c'est juste en fait pour récupérer des armes et tout ce qu'on veut. Mais bon, pour le reste, c'est pas d'une plus grande importance, on va dire. Hein. Alors, encore un ennemi, bordel. Laissez-moi en paix. Laissez-moi en paix, je suis pas en quête principale là. Mais dans une quête annexe, je devrais être tranquille pour la faire. Hein. Ah, il y a un truc que j'ai jamais montré. Ça, normalement, vous êtes censé le savoir. Ou pas, hein, ou pas. Mais bon, les pierres à potins. Les pierres à potins, donne-leur. Ça, on est d'accord. Ding dong, au quatrième top, il sera 5h35. Maintenant, si j'avais eu le masque de vérité et qu'on a fait la quête, la pierre à potin nous aurait indiqué nous aurait donné des indices. Mais il y a encore un truc, sympatoche.
Alors, je sais que ça marche avec les bombes. Mais si jamais on tape avec la masse de titan. Ah ouais. Oh, on l'écrase en fait. Ah, y a plein d'interactions marrantes avec les. Avec les pirapotins. C'est assez chelou. Si on utilise le grappin, est-ce que ça fait quelque chose de différent? Je n'aurais pas traîné comme ça parce que on a le donjon à faire. Enfin, c'est pas la grotte du feu, mais la caverne d'Odongo à faire, donc ce serait bien quand même que. Ah, elle vibre! Il y a tellement d'interactions. Et si on balance une flèche, genre une flèche de feu? En fait, c'est juste dingue. Je suis en train de découvrir des trucs. Est-ce que c'est spécifiquement les flèches de feu ou est-ce que c'est n'importe quelle flèche qui produit cet effet? Non, les flèches de feu. Alors du coup, je pense à un truc. Les flèches de glace. Ça produit quoi comme effet? Ça a l'air d'être pareil. Ah mais ça me fait marrer ça, ça me fait trop triper le truc. Ça, je savais que les pérapotins avaient tendance à agir différemment. Alors maintenant, le must du must. Je vous laisse admirer ce qui va se passer si je pose une bombe. Décollage! Ah, ça me fait marrer ça. Franchement, c'est les petites interactions comme ça dans le jeu qui font que c'est fun. C'est marrant. Alors, du coup, il nous reste un scut. Non. Bah, on n'a pas besoin de pierre. Mais si on voulait. Alors, toi, tu me trolles. Ah non, mais il va pas du tout dans la bonne direction là. Ah, donc on va appeler Pierre. Mais normalement, en fait. Normalement, ce qui se passe, c'est que le nénuphar, il est censé revenir au-dessus du toit là. Mais j'ai pas envie d'essayer. Parce que s'il me dépose au loin là-bas, je suis obligé de refaire le tour. Hein, donc voilà quoi. C'est pas tip top, mais je pense que je pouvais juste comme ça, tu vois, hop. Ouais, comme ça, voilà. Mais on a Pierre. Je vais jamais être tranquille, hein. Ça c'est véridique. Jamais de la vie. Alors, le petit quart de cœur qui se trouve juste au-dessus. Ça nous fait combien d'ailleurs que je sache? Ah! Notre premier quart. Sachant qu'a priori, j'ai encore. Au moins 8 quarts de cœur à trouver, hein. Au moins 8. C'est douloureux. Faudra que je fasse un check-up, hein, de. Enfin. Ah, oh, mais genre, ça, c'est le truc. Ah, ça, c'est joli. Pile sur le poteau. Enfin, pile. J'aurais voulu le faire, j'aurais jamais réussi. Franchement. Ah, ce calcul. C'était mortel. Ah, par contre, ce qui m'ennuie, c'est le corbeau. Hein. Il commence à m'énerver, celui-là. Mais y en a combien, des corbeaux? Sérieux? Je suis pas tranquille 2 secondes. Hein. Joli quart de cœur. Alors là, on va se faire mal un peu, mais c'est pour le plaisir. Salto arrière. Pouah! C'est douloureux. C'est très douloureux.
Alors, du coup, le dernier scutula qui nous manque, parce qu'on peut le voir sur la carte, de toute façon, on n'a toujours pas complété. On n'a pas le symbole du scutula. Je ne peux pas aspirer sous l'eau, mais bon, c'est juste que pour quelques instants. Alors, il faut faire une roulade. Et voilà, et normalement, on a complété. Voilà, on voit qu'on a complété ce que tu as de l'Aquilia. Donc, c'est nickel. Maintenant, remontons. Et on va refaire une petite ellipse parce qu'on va se diriger. Bon, on va déjà se remettre en ligne qu'enfant. Et. Ouais, on va se mettre en ligne qu'enfant. Parce que j'étais en train de me dire, ah ouais, mais un truc. Est-ce qu'on peut entrer dans la grotte d'Odongo en ligne adulte? J'ai jamais essayé en fait. Bah, en fait. Ça attire ma curiosité quand même. On va tenter. On va voir. Et si jamais il se passe rien, de toute façon, on n'y verra rien parce qu'on sera en ligne qu'enfant. Donc, à tout de suite. Bon, alors, c'est amusant du coup parce que effectivement, si on peut rentrer dans la grotte d'Odongo en tant que Link adulte, parce que j'avais un doute sur le coup, je me suis dit peut-être que l'entrée est bouchée en Link adulte. Mais en fait, non. Bah, du coup, c'est intriguant. Parce que j'ai quand même envie de tenter le coup en Link adulte. Voir ce que ça donne, quoi. Voilà, quoi. Après tout, jamais essayé. Alors, le premier scutula récup, c'est. Que je me rappelle. Parce que j'en avais récupéré, je crois, un avec... un avec Lady Idel. On en avait récupéré un, mais pas plus. Un seul. Et il y en a 5 en tout dans le donjon. Hein, déjà. D'ailleurs, s'il y a des scutulas, ce sera plus facile à récupérer. Parce que j'aurai le grappin, en plus. C'est génial, en fait. Je suis en train de faire un donjon de Link enfant, Link adulte. C'est mortel. T'as gagné, épargne-moi. Potion rouge, 40 rubis. Pourquoi pas. Voilà pour ça. Ensuite, ouais, sauf que maintenant... Bah, d'ailleurs, c'est judicieux de le faire en Link adulte parce que notre bouclier, il peut pas se brûler. Comment la chauve-souris elle me troll? Et la plupart des ennemis se one-shot. C'est encore mieux. Et comme j'ai... Alors, l'arc, normalement, ça marche. Je dis bien normalement. C'est même pas sûr. On va tenter le coup quand même. Ah, des cœurs, tiens. Pourquoi pas? Ouais, bah c'était obligé que ça marche. Donc, en fait, on dirait que c'est prévu aussi pour retourner en Link adulte, si on veut. Si on veut. On n'est pas obligé. Alors, ici... J'ai beau avoir refait l'épisode... là, par contre, je me souviens pas forcément par cœur de où se trouvait ce que tu as, mais bon. Ça va venir vite. Donc, ici, je crois que c'est un ce que tu as. Non, on l'avait pas fait avec Lady, celui-là. Il est juste au-dessus, là, voilà.
Ça fait notre premier, ou plutôt notre deuxième, puisque avec Lydie, on en avait déjà récupéré un. Par la suite, ouais, on va poursuivre le chemin et puis on va voir lequel est le plus proche. Voilà, par contre, maintenant, il faut que j'aille de l'autre côté. Et toujours pareil, il y a une échelle de l'autre côté, par contre. Hein, comme pour le côté gauche. Alors qu'en version normale, je crois qu'il y avait une échelle que d'un seul côté. Alors oui, voilà. Donc ici, on aura notre troisième. Alors là, par contre... Ouais, c'est vrai, parce qu'avec Lady, je me souviens qu'on s'était posé la question. On s'était dit... Ah ouais, mais ça ressemble à des blocs du temps. Faudra revenir plus tard ici. Mais là c'est pas mal d'être en Link adulte, parce que du coup... je peux directement monter dessus. Ah, il y en a trois, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et il faut faire disparaître le bon bloc. Et a priori, c'est celui-là. Alors, est-ce que le fait de se mettre au-dessus... Ah bah non. Si on se met au-dessus, ça va pas marcher. Il faut être à côté. On va tenter le coup. Bah ça enlève celui qui est derrière, par contre. Oh, c'est pas grave. On va tomber. On recommence. Parce que les blocs disparaissent au fur et à mesure, les uns après les autres. Et du coup, voilà, le Scutula, notre troisième. Il en manque plus que deux. Alors, du coup... Par la suite, on va grimper. Alors, en version normale, il y avait une Scutula au-dessus, ici. Mais maintenant, c'est remplacé par une peste mojo. Bon, les Scutulas dans les donjons ne sont pas au même endroit, mais en extérieur, si. Ah, ça voudra pas, hein. Donc, il faut que je bute. Pas de problème. Alors là, du coup, il faut que j'aille de l'autre côté. Et là, ici, oui, là aussi, c'est un truc qu'on avait fait avec Lady. Mais ça, je me souviens, en fait, cette énigme avec les torches. On avait utilisé les trois blocs. Juste ici, on les avait amenés plus ou moins à la hauteur des torches. Ensuite, on avait été, je crois que dans la pièce précédente, voilà, avec un bâton mojo, on avait cramé un bâton avec cette torche. Et après, en se mettant sur les blocs qu'on avait bien positionnés, on allumait un par un chaque torche. Mais il y avait plus simple, le feu de Dean. Ah, je suis en train de me dire... avec Lady, justement, c'est
Le scutula qui se trouve dans l'une des caisses qu'on avait récupérées, parce que il y avait plein d'ennemis au-dessus, on se souvient. Il y avait plein d'ennemis au-dessus qui tombaient, il fallait buter un par un. Et après, ben, on avait récupéré une scutula dans l'une des caisses, on va vérifier quand même. C'est a priori la seule scutula qu'on avait récupérée avec Lady. Dans ce donjon. Donc ça nous en fait toujours 3 au final, récupérés. Par la suite, où est-ce que je vais? Retour en arrière ou alors... Ah mais je peux pas sauter là, enfin je peux pas remonter. On va poursuivre tranquillement. Ah ici c'est comment déjà? Je suis pas obligé de passer là en plus. En plus il y a des torches, mais là c'est pareil. On va littéralement utiliser le feu de Dean. C'est mignon. Et je fais comment? Comment on avait fait pour cette pièce? Ah! Ce truc a tiré, c'est vrai. Hein? C'est vrai qu'on le voyait, enfin, on le voyait, mais bon, on pensait pas qu'il se tirait. Ah, c'est bien d'être en Link adulte quand même pour le coup. C'est tellement mieux. Pour buter la majorité des ennemis qu'il peut y avoir. Sans trop de problèmes. Alors ici, l'avant-dernier scutula, le quatrième. Que j'étais persuadé avoir récupéré avec Lady en fait. Parce que j'étais pas venu là. Ah! J'étais persuadé. Et apparemment, non. J'avais pas récup celui-là. Donc, de là, ça ira encore plus vite si je me laisse directement tomber tout en bas. J'aurais dû prendre l'autre sortie, mais c'est pas grave. Ça revient au même. Alors, du coup, maintenant, le dernier scutula se trouve à l'entrée juste avant le boss. Là aussi, celui-là, on aurait pu le récupérer, mais bon, là, par contre, il fallait chercher un petit peu. Il fallait explorer, on va dire. Or, on n'avait pas pensé à bien explorer la pièce en question. C'est pas grave. C'est ça qui est bien, on peut retourner en arrière si on veut. On peut très bien avoir bien avancé dans le jeu et revenir en arrière. Il n'y a pas de problème. Ah, l'Isalfos qui va être buté très vite. Voilà, en 3 coups, c'est réglé. Alors, maintenant... J'ai juste une bombe à poser derrière parce qu'il y a un interrupteur.
Alors là, j'ai plein de... On va se faire plaisir. On se fait plaisir. Ouh. Oh, 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 oh. Ouh là là. Oh. Oh mon Dieu. J'aurais dû utiliser les bombes. Eh mais, je pense. J'ai ce qu'il faut. Tout était calculé. Voilà. Tout était calculé. Alors, le dernier scutula se trouve juste au-dessus. C'est vrai qu'avec Lady, je me souviens qu'on avait activé un petit interrupteur ici, là, voilà. Pour faire apparaître cette plateforme de... Une plateforme de verre, je sais pas, ça ressemble à une plateforme de verre. Ensuite, d'ailleurs d'ici on pouvait grimper. Ah bah non. On grimpe juste là. Et le dernier scutula, il est juste ici. Voilà. Et du coup, vérification. Si on va sur la carte. Eh ben, malheureusement, on n'a pas de symbole de scutula qui apparaît. Donc on peut... Ah si! Si! Caverne d'Odongo. Il y a le symbole de scutula qui apparaît. Donc du coup... Ça me fait penser à un truc. J'ai pas vérifié s'il y avait bien le symbole du scutula qui apparaissait pour l'arbre Mojo. On va aller vérifier. On va aller vérifier du coup. Donc, on va se refaire une petite ellipse et on se dirige tout de suite vers l'arbre Mojo. A tout de suite. Alors, du coup, on se retrouve dans l'arbre Mojo. On va vérifier tout de suite si c'est si on a bien récupéré tous les scutulas. Normalement, oui. Mais bon, on n'est jamais sûr. Et on a récupéré. Quand on peut le voir, on a le symbole du scutula. C'est bon, j'avais un petit doute, j'avais un peu peur sur le coup, mais c'est bon. Du coup, on a deux donjons. L'arbre Mojo et la caverne d'Odogo où tous les scutulas ont été récupérés. Donc du coup c'est bon, on va s'arrêter ici. C'est un bon épisode annexe, donc du coup la prochaine vidéo qui sortira, le 32e épisode, soit ce sera le final, soit ce sera la poursuite de la quête annexe, sachant que si le 32e épisode c'est le final, ben, il y aura quand même des épisodes annexes à côté pour compléter une bonne fois pour toutes tout le jeu à 100%. Donc voilà, vous êtes prévenus. Bon, du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Profitez bien de votre soirée. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Et du coup, on se retrouve pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Salut.